avec une fourche carbone. Je suis une vraie pipelette. Allez, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, on va se préparer parce que là vous pouvez voir que niveau coiffure c'est pas top. On va s'habiller et puis on va aller rider. Suite au dernier sondage, j'ai vu que vous préférez les vidéos ride avec pas trop de blabla. Donc cette vidéo là, elle sera faite pour ça. On arrête de parler, aujourd'hui c'est pas un temps idéal. Regardez ça. Il fait pas très beau. Mais c'est pas grave, on va quand même aller rider. Allez, je m'habille et c'est parti. Allez, on me prépare la potion magique pour bien rider. Là, aujourd'hui, vous allez me suivre à l'entraînement. Hein. Deux petites dosettes de BCA. Voilà. Et ça y est, je suis habillé. Manque plus qu'à prendre mon pré-workout pour me donner un peu de pêche. Et puis on y va. Mes affaires sont prêtes, mon vélo est prêt et c'est parti, direction mon mur d'échauffement. Bon ben, sans surprise, il commence à pleuvoir mais c'est pas grave, on va commencer par le fameux mur d'échauffement. C'est celui-là. Allez, c'est parti. Allez, on continue l'échauffement avec ce petit set de marche devant l'hôtel Jules César et vous allez voir à la fin, il y a une jolie gap. La pluie commence à être plus forte, donc c'est embêtant, mais on n'arrête pas l'entraînement. Là, on est au kiosque. Et il y a un petit spot sympa pour continuer l'entraînement. Allez, là je me dirige vers mon spot fétiche pour m'entraîner aux lattes et au bunny. Je vais profiter de cette vidéo pour faire une présentation très rapide de mon vélo pour ceux qui ne le connaissent pas. Je vais monter les principales caractéristiques de mon trial. C'est un vélo trial de la marque Crookers avec une fourche carbone, des freins à disque hydrauliques, des pneus sous-gonflés, un guidon pareil, carbone, pas de selle, un cadre sloping, pas de vitesse à l'arrière, mais un tendeur. Ici, il y a la protection de la roue libre. Au moins, si on loupe un geste, ça évite de taper
sur la roue libre ici. Là, il y a une protection en plus qui protège le cadre. Là, une protection carbone aussi qui protège également le cadre. À l'arrière, on retrouve encore des freins à disque hydrauliques, des pédales avec de belles pointes qui accrochent bien aux chaussures. Et vous voyez, pas de pédale auto, comme des fois on peut poser la question. Et des jantes perforées. Alors attention, ici, comme la plupart le pensent, c'est pas la chambre arrière qu'on voit, mais c'est un fond de jante. Moi, j'ai mis un fond de jante rouge pour aller avec la déco de mon vélo. Et le poids environ, c'est 7,8 kg. Voilà pour le check rapide de mon vélo. Allez, c'est parti, on retourne à l'entraînement. Allez, maintenant, entraînement précision et équilibre sur ces plots en béton. Comment faire une vidéo sur Arles sans forcément vous montrer les arènes d'Arles? Bon, c'est pas la première fois que vous les voyez dans mes vidéos, mais bon, là je vous les montre encore à nouveau. Voilà, voilà, les belles arènes d'Arles. Bon, je vous avais promis que j'avais pas trop parlé dans cette vidéo, mais en fait c'est plus fort que moi, je suis une vraie pipelette. Mais promis, je vais essayer de parler le moins possible. Après, c'est pas ma faute, hein. Je voulais moins parler dans les vidéos, parce que dans les sondages, vous dites que vous voulez une vidéo avec le moins de commentaires possible. Mais vous avez aussi dit que vous préférez les vidéos longues. Donc une vidéo où il n'y a que du ride pendant plus de 5 minutes sans parler, ben je trouve que ça fait un peu long. C'est bien aussi de meubler avec des commentaires. Allez, ça y est, on est arrivé au nouveau spot. Le but est de rouler sur ce mur ici là. Hop. Et à droite du mur, qu'est-ce qu'il y a? Un petit vide. Pour cette vidéo, quand je vais être sur le mur, on va utiliser une grosse perche que je vais mettre sur le casque. Au moins, ça fera un bon aperçu de la hauteur. Et je pense que la prise de vue sera plutôt sympa. Allez, c'est parti, je crois que là, ouais, ben voilà, c'est l'heure de manger. Donc là, on va aller se manger un bon petit burger chez Tonton Sam. Ça fait longtemps que j'avais envie. Et là, ben, c'est l'occasion ou jamais. Après l'effort, le réconfort. On a fini de manger, on va reprendre l'entraînement. Mais là, il fait de plus en plus moche. Il pleut vraiment beaucoup. Là, un petit spot de rocher qui est juste à côté de la tour Luma. Juste là-bas. Voilà, on va faire ces petits rochers là. Celui-là, celui-là, là, là. Et là, on va essayer. Et puis je pense qu'après on va rentrer à la maison parce que là il commence vraiment à pleuvoir. Ça doit se voir d'ailleurs sur l'objectif. Bon voilà, la persévérance a porté ses fruits. Le passage est enfin passé. Par contre là, la pluie est de plus en plus forte. Donc ça sera une fin de session. Bon, mais au final, la vidéo n'est pas finie. On dit toujours après la pluie, le beau temps. Et ben là, c'est entièrement vrai, regardez. Et je vous assure, il n'y a pas de trucage, c'est le même jour. Je suis juste allé chez le coiffeur. Je me suis fait un beau petit dégradé. Et puis allez, du coup, ben, on reprend l'entraînement. I'm all the sins that you can't confess. I'm just your ghost if we're not undressed. Part of me wish that we never met, but you act like we never got too wasted in the bathroom of your parents' house. Then you kissed me in the backseat of a taxi ride. And we said things that were cheesy, but we meant them. There were feelings and now you deny it.
On fait une petite pause sur les quais du Rhône et on s'entraîne sur ce petit rocher. Bon, cette fois-ci, c'est vraiment la fin de la vidéo. J'ai épuisé les spots d'Arles aujourd'hui. Il m'en reste encore quelques-uns. Mais à cause de la pluie de ce matin, ils sont impraticables. Donc, comme d'habitude, si vous avez aimé la vidéo, laissez-moi un gros pouce en l'air, ça me fera vraiment très plaisir. Abonnez-vous à ma chaîne, si ce n'est pas déjà fait, et activez la petite cloche. Et puis, je vous donne rendez-vous vendredi prochain, 19h, pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao!